Vous êtes sur Thèse sur Radio, il est 19h. Non, il est 20h. Il est 20h. On se met plus les heures maintenant. Est-ce que ça va? Ça va bien. Ouais. Qu'est-ce qui vous fait rire? Moi, je veux rire avec vous, bordel. C'est avec cette histoire des masques là. On a des TikTok et. TikTok. Ça pique après. TikTok, j'ai bien dit TikTok, hein, pas TikTok. Fais gaffe, il va t'en mettre à comprendre. TikTok. Et ma chère collègue à côté de moi, Loa, a voulu manger. Bon, pardon, pas manger un TikTok, mais. Avec le masque. Oh merde! Pourquoi j'ai raté ça? Ouais, c'est vrai que. On l'a pris. Après, c'est filmé après. C'est filmé après. Je pense que c'est filmé. Je pense que c'est filmé, je vais le garder. On mettra en ralenti. Il y aura une séquence off. Vidéo, parce que apparemment, il y a des bons numéros. Au ralenti. Ah, c'est moi. Bon, j'ai envie de partager un peu d'amour. Un peu d'amour. Et je voulais. Est-ce qu'il y a des gens qui vont se mettre en couple bientôt ici? Est-ce qu'il y a des gens qui ont peut-être rencontré l'amour ou qui peut-être se disent qu'ils vont le rencontrer? Est-ce qu'il y a des gens amoureux ici? Pas ma connaissance. T'es amoureux? T'es amoureux de qui? Pas d'une fille. D'un fantôme. Non, tu vas appeler ta mec. Je vois pas pourquoi. Elle a 10 ans. C'est vrai, ça se passe bien? Impeccable. Bah, tu vas me dire après la séquence que je vais diffuser si c'est comme ça chez toi. Vas-y. Je le ressens pas dans les TikTok, mais peut-être que. Mais sinon, Sébastien, je t'invite à bien écouter ce qui va se passer parce que à 31 ans, tu n'as pas encore connu le couple. L'amour peut-être, mais le couple non. Et ouais. C'est plus fort que l'amour. Hein. Merci de m'afficher. Je ne dis pas avec qui. Ah, 31. Ouais, ouais. Est-ce que vous vous souvenez, il y a quelques années, il y a un petit reportage qui a été diffusé sur Ça se discute avec monsieur Jean-Luc Delarue. J'ai fourché. Jean-Luc Delarue. Ouais, puis le bébé, ça fourche. Ouais, mais là, j'ai un souci parce que je pense des choses et. Ouais. Jean-Luc Delarue, non, ça vous dit quand même quelque chose, Jean-Luc? Ouais, mais. Ah bon, ouais. Mais pas ce que tu vas nous écouter. Ah oui, je vais vous mettre des sons, vous inquiétez pas. Voilà. Ah oui, ça c'est le. C'était ça, hein. Ah, c'est génial. Bonsoir à tous. C'est Jean-Luc Delarue. Qui fait le solo de fin. Ouais. Le pire, c'est que je l'avais, mais je l'ai coupé. Le truc de fin où tu vois le... Bon, bref. Allez, je vous mets dans l'ambiance pour avec l'extrait 1, j'espère qu'il va démarrer. T'as vu l'heure? Ah oui. Attends, tu te fous ma gueule ou quoi? Ah, je fais une baguette de pain, en tout cas. Attends, je travaille, tu pouvais pas m'appeler au téléphone, bon, attends, j'ai pas de rappeler, j'étais en réunion. Bah oui, mais d'habitude, tu rentres à midi, je suis le premier, tu te démerdes, moi j'ai bouffé. Allez, là. Je boufferai, allez. Bah, tu te démerdes. Tu couvres vraiment ma gueule, là? Bah oui, t'as raison. Attends, j'espère que t'es prêt, Sam. Faut que je me J'en ai rien à foutre, je me ferai bouffer tout seul. Mais démerde-toi. Eh ben oui, t'as raison. Allez. Bah démerde-toi, voilà. Mais est-ce que ça te donne envie ou quoi? Seb, tu vas faire bouffer la grosse, non? Bah non, elle veut pas donc. Mais il me semble que cette femme-là aussi, dans le reportage, il y a son mari qui joue au foot. Ça vient. Ah bah, si tu me dis pas chronique, je te dis plus que. Ta gueule. Mais c'est vrai. J'ai vu la vidéo donc. Bah oui, non, mais c'est peut-être dans tes historiques que je l'ai vu la vidéo. Ah peut-être, mais c'est une sacrée supportrice. Hein. C'est des masques pas très sains quand même. Hein. J'ai des gouttes. Des gouttes. Bon, du coup, tu fuis. Comme ça, un reportage, je sais qu'il y a des gens qui filment, forcément. Et donc, il y a une voix off qui interview le monsieur qui se plaint. Enfin, qui est. C'est bon. Attends! Il suffit d'arriver 10 minutes, un quart d'heure en retard, alors que ça soit midi, que ça soit le soir, elle rentre, madame commence à monter dans les tours parce que il faudrait que je l'appelle toutes les 5 minutes. Attends, c'était pas difficile de donner un coup de téléphone? Bah non, c'est pas difficile. J'adore quand t'as...